Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous allons donc prendre un tank pour cet avant-dernier match de placement, chers amis. Nous avons un total de 7 victoires, c'est ça je crois, 7 victoires et une défaite, ce qui est un très très bon, très, très bon score, on va dire, très très bon... Je sais plus, je vois ce que veut dire mon mot, mais je n'arrive pas à trouver le mot. C'est une très très bonne situation, on va dire, pour nous, à l'heure actuelle. C'est pourquoi je me permets de taper dans de l'or, en me disant que je vais peut-être être classé or, ne serait-ce que or, dès le départ, ce serait vraiment très bien. Je serais très content. On verra ce que ça va donner. Mais bon. Il y a peu de raisons qu'on... Qu'est-ce qu'on a? On a une équipe viable. Presque trop de heal. J'aurais peut-être mis plutôt que Anna, j'aurais mis un... Une Symmetra, on verra. Ok. Si tu veux. Oh, 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 oh. Putain, mais il voit que dalle. Oh, j'ai loupé. Mauvaise idée. Mauvaise idée, mauvaise idée. Ah voilà, voilà. 8 victoires, 7 victoires, c'était trop. Là, je le sens pas. C'est pour ça que j'aime pas en fait prendre le high ground ici. Le high ground ici, c'est pour les compos full team. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qui se passe. Ah bah bien. Voilà. C'était trop beau. Et je vais avoir personne, voilà. Il y a personne derrière moi. Allez.
Donc on est plus que 5 hein, dans une partie de classement. Là, par exemple, le mec devrait être banni toute la saison. Moi, ça me semble logique, clair, net, précis, sans bavure. I go follow you, I go follow you. I know. La justice ne va pas se rendre toute seule. On entendrait presque siffler le train. Ça se passait très bien et voilà sur quoi on tombe comme genre de comp quoi. C'est pas comme, comme genre de personne, même pas, c'est même pas le genre de comp, c'est le genre de personne quoi, c'est... D'un seul coup, vous voyez, c'est le jeu hein. C'est le karma. Fait dit que ça se passait bien, bah je l'ai dans le cul. Là, je suis prêt à mettre ma main à couper avec les deux dernières, c'est des victoires. Hein. C'est des défaites, pardon. Celle-ci et l'autre, c'est la prochaine, ce sera une défaite. Là, oui. Prends soldier. Hein. Prends pas un tank. Voilà, je croyais que je l'avais pas vu bouger, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça va être comme ça pendant tout le match. Ah, mais c'est encore plus cool, nous on se tape someone qui est level 25. Enfin, on se tape plusieurs levels en dessous de 100, et eux, ils ont qu'un seul level en... Ah non, deux, quand même. C'est cool. Oh, bah bien. Bien. Commence depuis le début. Bonjour. Salut. Bon bah le passons apparemment. C'est pas la peine. Voilà. Bonjour toi. Salutations. Bienvenue. Bah voilà, y'a plus qu'à attendre hein. Voilà. T'es fou hein. Donc voilà, voilà, voilà. C'est fun. Bien sûr, bien sûr, dans le spawn. Je tiens à préciser que regardez où j'étais. Ah non, j'étais pas dedans, effectivement, j'avais un pied en dehors. Excusez-moi. Autant pour moi, quand t'es là, t'es pas dans le spawn. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Voilà. Mis à part ça, c'est la fête, hein. Une dernière volonté. On recommence depuis le début. C'est fou, hein. C'est absolument fou. Putain.
peux même pas faire un 1v1 tranquille, il te recte tout le temps. C'est génial, hein. C'est génial. J'ai encore des comptes à régler. Plus que 30 secondes. Je vais dedans, moi. Comme un con. Place au déluge de la justice. Plus que 10 secondes. C'est quand même triste, hein. Vous vous rendez compte de la politique de merde du matchmaking et du jeu en règle générale? Allô? Oh putain, mais... Arrête de la faire durer la game, moi j'ai envie de passer à autre chose. Ouais. Ça me pète les couilles, vous voyez. J'ai perdu 11 minutes d'enregistrement dans ça. Ça me pète les couilles. Re, chers amis, donc on est dedans. Et voilà. Et ça va être une relouse parce qu'on a encore ça, ça et ça qui ont même pas fait un tour de jeu. Enfin bon, défense sur Hollywood. Non, non, je suis désolé. NSK, non. Enfin bon, c'est pas grave. On verra bien. Non. Non. L'union fait la force. Je suis d'accord avec toi, NSK devrait même pas être là, mais... Ne restez pas là, tirez au flanc. Du coup, j'ai pris un ult qui ne sert strictement à rien, vu que j'ai aucun ult qui... Des fois, je me pose de ces questions. Justice sera rendue. Et nos deux main DPS sont en dessous du niveau 25. Hein. 5, 4, pensez-y. Hein. Toucher un shield, donc il y a un Reinhardt.
Et il charge Lazaria. Il a chargé Lazaria. Oh là 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 là. Et où est l'équipe quand il y a 5 personnes au même endroit? Putain! Oh là là là, la bande de losers que je me tape! C'est pas possible! Ils viennent s'emparer de ce qui nous appartient! Ne le laissez pas faire! Les serviteurs ne meurent jamais! Putain. Oh là. Je reviens sur la brèche. Et je peux même pas. Je peux même pas. Oh, bah il joue Torbjorn, hein, bah oui. C'est fou, hein. On est tombé sur des parties géniales avec des gens sympas, rigolos, qui savaient jouer. Et là, on tombe sur une équipe avec un tiers de noobs, plus le reste qui veut pas jouer en équipe. Ouais, c'est... Tristesse. Tu te bouges le cul? Qu'est-ce qu'il a fait à sa tourelle? Ah putain, je vais encore mourir bêtement. Putain. Oh! Hop, ça prendra. Putain, mais... C'est moi qui fais la game à la place des DPS, quoi. C'est fou. Et la tourelle, elle est où, là? Putain, puis j'ai un cil qui est tombé dans mon œil. Merde, j'ai chié. Si j'étais pas à 67% d'inulte. Putain, mais stoppez-les, elle est sur le point! C'est fou, y'a un... Je
Putain. Ah ça y est, il y a un mec qui est dépassé mais mon nombre de kills. Dommage. Bon bah il y a un combat de Zarya. C'est l'heure de... Ah non c'est même pas Zarya qui l'a combat, c'est quoi du coup? Ah bon, est-ce qu'on va réussir à pousser aussi loin avec ça? Ah, je la touche pas! Attention à l'ult. Putain, qu'est-ce qui me bloque? Ah merde! Bien joué! J'aimerais bien que NSK il utilise son ult comme il faut quoi. Ou qu'il le chope ou je sais pas. Tiens, Ikeren, tu serais bien que tu... Voilà. Putain mais... Y'a personne pour la tuer quoi. Truc de fou. Oh la vache. Y'a personne pour tuer la putain de diva, de Pharah quoi. C'est fou. Ça me rend fou. J'ai encore la force de lutter. La justice ne va pas se rendre toute seule. Moi avec Macri ça va être coton. Putain, concentre-toi Marcus. Putain. Putain mais... Allez du soin. Je tue plus vite que mon ombre. Il m'a eu, je m'en fous. Je m'en fous, il m'a eu, mais... Oh putain. On joue avec des noobs monstrueux. Oh là 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 là. Le soldat a jamais levé la tête sur la Pharah. Jamais. Chaque fois que j'oublie, c'est Teach.
Mais là, vous pouvez vous torcher, je prends pas un... Je prends pas un tank, hein. La cavalerie est arrivée. Ta mère aurait été fière de toi. Visiblement, tu ne connaissais pas ce qu'elle dit. Tout système opérationnel, prêt pour manœuvre offensive. Hop. Le combat commence dans 30 secondes. Donnez-vous en au plan pour tout à l'heure pour sauver la vie. Ok, bon, allez, on se concentre. Bad, nos gens, les gamins, les coups de poing, la solution. Vous devriez profiter des vrais rockers, comme Ellie Mitchell. J'ai dashé dans elle en fait, c'est ça que t'es en train de me dire? Et tous mes potes sont restés à la porte, comme des cons! Putain! J'ai toute l'équipe sur ma gueule et tous mes potes restent à la... Truc de débile. Putain. Le job. Le job. J'y retourne pour ma impulsion prête. Putain, mais elle est sur le point. J'ai chié. Mais putain, mais... Putain, mais faut vraiment se lancer dedans, hein. Et on a plus de... Ah si, on a encore Ange. Voilà. Allez, rect. Rect, rect, rect. J'arrive pas à croire qu'est. Alors, je revois la traiteur. Bon, on en était où? Voilà, j'en ai eu deux. M'en fous. M'en fous. M'en fous. Alors que revoit la traiteur. J'en bute deux. Est-ce que mes potes vont attaquer? Non, ils restent à la porte. Putain, mais t'es pas sérieux! Putain.
Donc voilà, je l'avais prédit, hein, que ça allait être deux défaites. Tout ça parce qu'on joue avec une bande de noobs monumentale. Une bande monumentale de noobs, hein, c'est ça que je voulais dire. Hein, parce que c'est pas dans le sens des noobs monumentaux, c'est l'équipe complète est vraiment pas bonne. C'est-à-dire que même alors qu'il n'y avait pas d'ennemis devant la porte, ils restent coincés à la porte. Les serviteurs ne meurent jamais. C'est dommage, hein. Bon, on va voir comment on est placé maintenant. C'est... Voilà, donc ça c'est les deux parties qui vont me pourrir entièrement mon score, hein. C'est... Ouais, 1869, génial. C'est vraiment un jeu de merde, parce que t'es vraiment enculé par des noobs, quoi. C'est ça, c'est cool, c'est génial. Allez, salut les gens.